Ben, le prophète Joël Kassour, nous sommes aujourd'hui 29 mai 2014, 29 mai, aujourd'hui c'est un jeudi, mais 29 mai 2014, nous avons démarré nos activités. C'est ici le centre où on met, nous gardons ceux qui sont mentalement fous, voilà, ceux qui ont atteint mentalement, c'est ici nous les gardons. Et puis au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, il y a une délivrance qui se fait. Voilà, quand on sent que Dieu, ils sont délivrés, nous les libérons carrément. Parce que c'est des personnes qui viennent, elles sont très violentes. Nous avons doucement voici. Certaines personnes sont dans d'autres états de folie. Voilà, donc c'est là. Bon, nous avons démarré une action. Il fallait la répéter encore dans un moment de truc. Donc nous allons la défaite des filles. Je vais vous dire de guérir. Hein? Comment t'appelles? Hein? Je suis convaincu que tu es guéri. Tu savais quoi? Hein? Tu avais l'esprit de poli. Comment c'est venu? C'est venu comme ça. Et tu es convaincu que tu es guéri. Bon, Jésus t'a guéri. Ta mère s'appelle comment? Suzanne. Suzanne. Et ton père? Ben. Tu es enfant ou tu n'es pas enfant? Ben. Son papa s'appelle comment? La Frédérique, je dis. Son papa? Non, il s'appelle Alessio. Il est où? Il n'est pas ici, là. Et l'enfant est où? Il a des faits. Voilà, nous avons la dépense sur la puissance de Dieu. Voyons la puissance de Dieu. Il y a toujours le pouvoir. Il y a toujours le pouvoir de la sorcellerie. Nous allons la défaire. Elle est permet de libérer les griffes du diable. Elle ne deviendra plus jamais sous le pouvoir de Satan. Le jamais Jésus-Christ sera roi et régnera dans sa vie. Elle sera une femme libre pour servir librement Dieu. Son truc est là. Mais nous allons essayer de voir comment arranger ici. Viens. Que j'ai de quoi vous remettre les roues, on met les poulies. Les fous plutôt. Préparer quelle sauce? Hein? Comment on a besoin? Hein? Comment on a besoin? Comment on prépare ça? Comment on prépare ça? Comment on prépare ça?
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mesdames, ce soir, tout le monde va se tenir debout. On se tient debout tous.